Un homme, salarié de l'entreprise, s'est présenté donc à 7 h du matin, armé d'un fusil de chasse, et il a tiré à plusieurs reprises sur son employeur, le patron de l'entreprise, et le fils de ce dernier, qui ont l'un et l'autre été mortellement blessés. Qu'une des origines du problème qui a conduit à ce drame est d'ordre professionnel. On a effectivement d'un côté, du côté de celui qui est considéré comme le tireur présumé, une démission annoncée depuis quelques jours, et semble-t-il, c'est une annonce de démission qui n'était pas sans poser des problèmes entre son employeur et lui-même.